Attention, mesdames et messieurs, à l'instant, nous sommes, c'est vrai, au cœur de ce festival consacré, bien évidemment, au cinéma camerounais, bien évidemment. Mais là aussi, à côté de nous, une dame, pas des moines, c'est une femme de poids pour le Cameroun. Grâce à elle, nous avons chaque année la grâce de pouvoir élire. Et celle-là qui est reconnue comme étant la plus belle des femmes du Cameroun. Elle aussi étant belle, gracieuse, je vais le dire. Madame Amougou, bonsoir, bienvenue au cœur de ce festival Écran Noir. Bonsoir à vous. Alors, Madame Amougou, on ne parlera peut-être pas longtemps, parlons du cinéma. Vous croyez au cinéma camerounais, vous ? Oui, tout à fait. Nous avons des stars, nous avons des jeunes talents, vraiment, qui font du cinéma. Et moi, je crois au cinéma camerounais. Et je crois surtout aux écrans noirs. C'est pour ça que chaque année, je viens soutenir M. Bassek, qui se bat depuis 20 ans pour organiser les écrans noirs. Alors, là, écran noir, est-ce que dans cette organisation de Miss Cameroun, y a-t-il eu une seule Miss un jour qui vous aurait dit maman, je souhaiterais justement encourager le cinéma camerounais? Je vais vous dire quelque chose. La jeune dame qui présentait ce soir, elle est passée par le comité d'organisation de Miss Cameroun. Elle a été candidate en 2011. Ouais. Donc, j'ai mon produit dans le cinéma. Donc, je crois que c'est déjà ça. Miss Cameroun, nous sommes rendus à la 15e édition. À la 12e édition. 12e édition, 12 ans déjà, madame. Ouais. Non, ça fait 15 ans, mais la 12e édition. Alors, 12 ans avec Miss Cameroun, le 30 juillet, ce sera la consécration. On va certainement demander gentiment à la Miss Nguyen-Semé de restituer sa couronne à celle qui sera élue au soir du 30 juillet, ici au Palais de Congrès. C'est tout à fait normal, parce que la Miss n'a qu'un an de règne. Et c'est pour cela que nous demandons aux Miss d'en profiter pendant cette année-là. C'est-à-dire de bien porter leur couronne, d'être les ambassadrices du Cameroun, d'être les modèles de la jeunesse camerounaise. Un an, ça va très vite. Et puis, on a une autre Miss. Alors, certainement, le défi pour cette 12e édition, c'est quoi ? Comme chaque année, hein, on ne va pas recréer l'élection Miss Cameroun. On aura encore les Miss. Il est bien vrai que cette année, on en a un peu plus. On aura 30 candidates. Je puis déjà vous dire que là, je suis avec la Miss Cameroun Italie, qui est déjà là. Miss Cameroun Diaspora France, qui arrive ce soir. Donc, vous voyez qu'avec l'ouverture à la diaspora, ce sera un peu plus intéressant. Il y a 3 ans, on n'avait qu'une seule candidate, mais cette année, nous aurons 4 candidates qui viennent de la diaspora, c'est-à-dire, comme je l'ai cité tantôt, Miss Cameroun Diaspora France, Miss Cameroun Italie, Miss Cameroun Afrique du Sud et Miss Cameroun Sénégal. Nous sommes très contents, Madame Amougou, que vous ayez accepté de passer par ici. Canal 24, j'ai une télévision d'ailleurs montante, et nous avons ce petit slogan, l'innovation c'est nous, et nous pensons également que l'émotion c'est vous aussi. Tout à fait, l'innovation c'est Canal 24, l'innovation c'est le Comica. Merci de m'avoir invité. Merci infiniment, nous serons ensemble au soir du 30 juillet, ici avec vous, au Palais afin de soutenir justement ces Miss et surtout soutenir le Comica que nous respectons en un moment. Merci et beaucoup. Pour le travail que vous faites, Madame Mougou. Merci beaucoup. Si je peux inviter les Camerounais à venir nombreux au soir du 30 juillet, soutenir l'élection Miss Cameroun, soutenir le Comica. Et oui, les sponsors, ils peuvent toujours nous contacter. Hein, au 242 70 20 06. Ou encore le 6 77 75 56. Madame Amougou, présidente du comité d'organisation de Miss Cameroun, nous sommes avec elle, mesdames et messieurs. Et c'est normal, c'est une grande sœur, c'est une maman, c'est une tantine. Elle vient soutenir également Bassek. Ça, je m'en prie. Tout à fait. Merci, madame. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Bye bye. Merci. Bye bye. Là, ça tombe bien.